Mademoiselle Maud Deschmacker, comment allez-vous? Bonjour, moi je vais bien, merci. Alors, ce week-end, vous avez fait un championnat. Oui, tout à fait. Alors, quel était-il? Donc, j'ai participé au championnat d'Europe Aïkarate qui s'est déroulé donc à Strasbourg. Et c'était organisé par Myriam Melasso et Eric Bortels. Donc, c'était une belle compétition, très bien organisée. Beaucoup de monde, beaucoup plus que l'année dernière. Donc c'était très bien, j'ai bien aimé en tout cas. J'étais déçue parce que j'avais espéré pouvoir présenter un meilleur kata que la fois d'avant à Mirecourt. Et ça finalement, je n'ai pas réussi puisque ben, j'étais pas dedans, j'étais pas assez chaude, pas assez concentrée, il y avait trop de bruit partout, voilà. Donc moi, je trouve que le malvoyant, il faut le mettre un peu plus tard dans la journée. Surtout pour ceux qui voient, qui doivent mettre des lunettes et tout ça, il faut quand même une certaine degré de concentration. Donc je pense que si j'étais passé 1 heure ou 2 plus tard, que la cérémonie d'ouverture était passée loin derrière, j'aurais pu m'échauffer convenablement, j'aurais été mieux. Ça, je suis sûre que mon kata aurait été beaucoup mieux que ça. Maud, avez-vous trouvé cette compétition plus difficile que celle de l'année dernière? Parce que, on le rappelle bien, vous avez participé à la compétition aussi l'année dernière. Moi, j'ai trouvé plus difficile. Bon, ça, c'est encore quelque chose que je voulais voir avec les personnes qui l'ont organisé. Moi, ce que j'ai eu beaucoup de mal, c'est que ma catégorie, donc des malvoyants, passait en premier. Et étant donné que moi, je suis malvoyante et pas aveugle, c'est déjà pas évident. Donc, moi, je m'étais bien échauffée et tout ça. Donc, j'étais prête pour commencer. Et au moment où j'étais bien prête et tout, ils ont appelé tout le monde derrière pour faire la cérémonie d'ouverture. Donc ça a cassé mon truc complètement.
Et donc, je suis passée derrière. Ça durait au moins 5-10 minutes avant qu'on ait rassemblé tout le monde, que tout le monde soit bien dans la ligne et tout. Après, le temps de faire la cérémonie, c'était encore 10 minutes en plus. Donc, disons qu'au total, j'ai peut-être perdu 20 minutes. Mais pendant 20 minutes, quand tu t'es échauffé, l'échauffement, il est parti, quoi. Donc, j'ai dû démarrer la compétition quasiment à froid. Donc, mon échauffement était parti en sucette, hein, on va dire. En plus de ça, manque de peau, j'ai passé la première. Et dans la catégorie où je suis, donc la catégorie de malvoyant aveugle, ils veulent mettre tout le monde sur le même pied, aller sur le même niveau. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils rendent tout le monde aveugle. Donc, moi, ils m'ont mis des grosses lunettes noires sur la tête. Des trucs que je déteste absolument. Je ne supporte pas ces lunettes-là. Donc, première à commencer à peine échauffée, c'était une vraie galère. J'étais pas dedans, moi je m'étais trouvée pas dedans du tout, donc j'étais déçue. Bon, je suis contente de mon résultat. Alors Maud, est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu votre parcours et vos impressions de cette année? Alors comment ça s'est passé? Cette année-ci, j'ai fait que deux compétitions jusqu'à maintenant, donc il n'y en avait pas d'autres avant, hein. Donc la première compétition que j'ai faite, c'était à Mirecourt. C'était un peu imprévu parce que je ne savais pas que c'était si tôt dans l'année. Donc, j'ai été là-bas. Alors là, j'ai gagné cette superbe coupe. Franchement, je ne m'attendais pas du tout. Donc, j'ai eu la première place. Donc, j'étais super contente. Alors après, je m'étais dit, bon, pour aller au championnat d'Europe du karaté, il faut que ce soit mieux d'avant. Bon, là, j'ai fait quand même deuxième. C'est quand même pas mal, hein. Franchement, au championnat d'Europe, on ne peut pas se plaindre, hein. Donc voilà, ça c'est ma coupe de la deuxième place que j'ai gagnée donc au championnat d'Europe et karaté à Strasbourg. Donc c'est déjà pas mal pour commencer cette année-ci. Bon après, je ne sais pas ce qui est en cours sur le planning cette année-ci, il faut encore voir. Les dates ne sont pas encore tout à fait fixées. Bon, on verra. En tout cas, l'entraînement continue. Deschmacher, quelques petites questions. Tout d'abord, quel a été votre moment le plus fort de cette compétition, de cette Coupe d'Europe à Strasbourg? Ça, c'est une très bonne question parce que il y a beaucoup, beaucoup de grands moments. Ah là là, je cherche. Bah, écoutez, vous allez peut-être vous trouver ça bizarre, mais le moment que j'ai vraiment préféré, c'est avec Manon. La petite Manon que j'aime vraiment bien. En fait, j'étais assise à côté d'elle à sa table de dédicace parce que j'avais un petit peu mal au dos. Et je m'étais assise après une journée d'avoir été restée debout tout le temps. J'avais vraiment mal au dos. J'étais assise à côté d'elle. Et un petit qui est venu vers elle qui était tout perdu, tout timide comme ça. À un moment donné, elle l'a attrapé dans ses bras. Elle lui a donné un gros bisou. Et la glace, elle a fondu tout de suite. Et ils se sont donné des câlins, des bisous. Vraiment, c'est un beau rapport d'amour. Bon, moi, j'ai un bisounours moi-même. Donc, dès que moi, je vois ça, je kiffe. Donc, oui, je crois que c'est le moment préféré, bizarrement. C'était ça. C'est là où j'étais vraiment heureuse de pouvoir, voir quelque chose d'aussi beau.
remercier quelques personnes qui m'ont donc soutenue ce week-end lors de ma compétition à karaté. Bah, tout d'abord, je vais remercier la personne qui m'entraîne et qui est donc obligée de supporter mon très bon caractère. Donc, c'est Alexandre Franchini, qui est mon sensei, qui malheureusement a la grande tâche de oui, me supporter, il faut le dire quand même. Hein. Donc, merci beaucoup de m'avoir amené à ce résultat que j'ai fait ce week-end, donc c'est-à-dire deuxième au championnat d'Europe. Et je voulais aussi remercier Nathalie Sigler, qui en fait je ne la connaissais pas encore très bien. Et là, j'ai appris à connaître cette personne-là qui est vraiment super. C'est vraiment une fille super gentille. Elle nous a accueillis tout le week-end, donc chez elle, dans son appartement. Et franchement, chapeau, un grand merci Nathalie parce que avec tout le travail et tout le stress que tu as dû supporter, tu nous as quand même accueillis. Et en plus, hier, malgré le fait que tu étais super fatiguée, tu avais mal partout, tu as quand même été visiter Strasbourg avec nous. Ça, donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment gentil. Merci beaucoup, Nathalie. Après, je voudrais aussi remercier Bertrand et Myriam. Donc, ce sont deux personnes que j'apprécie énormément, qui s'investissent beaucoup pour les gens handicapés. Et c'est des gens qui ont un énorme cœur, qui à chaque fois nous accueillent vraiment bien. Donc j'ai tout à fait l'intention de revenir les voir parce qu'à chaque fois, ben, il y a tellement de choses à faire le week-end de leur compétition qu'on n'a pas vraiment le temps de se retrouver un peu nous. Donc ça, c'est dans les projets. Donc vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. Je vais revenir. Alors, qui encore? Ah oui. Je voulais aussi faire un petit mot pour Manon, donc que je connaissais pas du tout. Donc, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup des séries télévisées. Donc, Manon Brèche, c'est la personne qui joue Thérèse dans Plus belle la vie. Donc, j'avoue que je connaissais pas du tout. Hein. Désolée Manon, mais bon, la télé c'est pas trop ma tasse de thé. J'ai pas trop le temps. Alors. Manon, tu es vraiment une jeune fille super. Non seulement tu es super jolie, mais en plus de ça, tu as un énorme cœur. Donc c'est assez rare. Hein. Souvent, les filles qui sont jolies, ben, elles se prennent pour des déesses. Et ça n'a pas été ton cas du tout. Tu es vraiment quelqu'un qui est très simple, très gentil. J'ai vu comment tu serrais dans tes bras les personnes handicapées, comment tu les as embrassées et tout ça. J'ai vraiment trouvé ça très beau à voir. Ça m'a impressionné beaucoup. Donc super Manon, continue comme ça, ne change jamais. Donc vraiment bravo, bravo. Alors il y a aussi Dominique, qui est donc le sol de Shaolin, qui est d'origine africaine, qui est vraiment très gentil, très ouvert, très quelqu'un qui a un bon esprit, hein. Et j'ai trouvé très bien, en plus j'ai super bien aimé sa démo. Super, super, bravo Dominique. Très bon travail, très admirable. En plus, tu as écrit un super livre qui est là derrière. Attends, je vais essayer de l'attraper. Oui. Voilà. Voilà, ça c'est le livre que mon ami Dominique il a écrit. Encore que je lise, mais bon, puisque je ne vois pas bien, ça va prendre du temps. Mais je vais le lire, promis, promis, promis. Donc, j'ai déjà hâte. Hein. Voilà, alors en dehors de tout, je vais encore remercier qui? Mais je ne sais pas trop parce qu'en fait, il y a tellement de personnes que je connais. Bon, ben, ceux que j'ai oubliés, désolé, je vous remercie quand même pour tout. Et je vous donne de gros bisous.